Vous, êtes-vous prête à risquer votre vie et vos muscles pour des vestiges de civilisation disparue? Oh, je parie que vous voulez savoir qui je suis. Les gens sont si traditionnels à notre époque. Je m'appelle Belle et je suis la plus grande archéologue d'Albion. Compris? Alors, vous voulez partir à l'aventure et chercher d'anciens artefacts, oui ou non? Voici ce que je sais sur l'objet jusqu'à présent. Ne décevez pas l'archéologie. Cet endroit. Oui, vous avez raison. Hey, Wano, quoi de neuf? Je sens sur vous quelque chose d'ancien et de récemment déterré.
Ah oui, c'est bien ça. J'ai une autre aventure archéologique pour vous, si ça vous tente. Qu'y a-t-il de mieux pour l'humanité que de déterrer de vieux objets oubliés? Oh, notre époque n'est qu'ignorance. Mes dernières recherches indiquent que ça pourrait être une bonne cible. À nous, les artistes, n'est autre que la création de la vie. Animer ce qui est inanimé. Oui, votre technique est superbe. Votre attitude est tout sauf professionnelle. C'est l'artiste qui décide quand la pose est terminée. Oui, votre technique est superbe. Fantastique! J'espère que vous avez de l'endurance. Quelle stature formidable! Continuez! Je n'ai jamais eu un tel modèle. Tenez encore un peu! Vous avez capturé l'essence du moment présent. Maintenant, je vais m'en imprégner. Bravo! Mon modèle touché par la grâce! Vous avez touché les braises de l'éphémère et en avez extrait les flammes de l'éternité. Vous pouvez partir. Je dois commencer la statue. Je vais l'appeler la sémiotique de la paix. Elle sera prête quand vous repasserez. Si elle est réussie, peut-être poserez-vous à moi un jour. Je suis peut-être en pierre, mais moi au moins, je ne suis pas complètement aveugle. J'aurais pu être utile, après tout. Je savais que j'aurais dû venir. Nous ne pouvons laisser Garth aux mains de Lucien. Tu dois le tirer de là. Quand tu dis « là », c'est la flèche? On ne sait même pas ce qu'il y a dans ce truc, ni comment y aller. Quelqu'un doit certainement savoir. Lorsque Lucien est parti pour la flèche, il a renvoyé ses employés. Jeeves, son majordome, passe la majeure partie de son temps au pub à vacher le corset. Son majordome? Je parie qu'il a vu des tonnes de trucs. Si ça signifie qu'il faut aller au pub, on devrait faire ce sacrifice. Cette tâche demande tact et délicatesse, des qualités qui te sont étrangères, Hammer. C'est le moment où tu dois dire... Thank you.
Sortez vos porte-monnaies! Les magasins sont ouverts! Les magasins ouvrent! Cherchez une nouvelle addiction? Alors jouez! Pour 1000, je pourrais acheter une maison et... Mais où peut-on trouver une concubine? Est-ce qu'il y a des magasins pour ça? Je vous vois! Eh bien, une autre offre! Mon Dieu, il y a tellement de curieux par ici! Il y a tellement de gens qui voudraient en savoir plus sur les petits secrets de Lucien. Eh bien, tout ce que vous voulez savoir est écrit quelque part, et je sais où. Et je sais aussi autre chose! Le prix que je demande. Ne laissez personne d'autre le voir. Le serviteur de Lucien semble être âpre au gain. Il nous faut cette information. Il est grand temps que tu gagnes un peu d'argent, par n'importe quel moyen. Ta carte te guidera dans tes recherches. Non, du balai. Extinction des feux! Il est officiellement l'heure de se coucher! J'organise une super fiesta dans quelques jours. J'ai pas d'alcool. Il ne reste plus qu'à acheter les vivres. Les étals sont maintenant ouverts! Ouverture des étals! Des produits nourrissants pour tous vos besoins alimentaires. C'est plutôt pas mal.
désirez? Où est l'argent? Merci bien. C'est une jolie petite collection. Vous n'allez pas le regretter, je vous le jure. J'ai enterré le journal de Lucien par précaution. Et voici la carte qui y mène. Je vous montrerai bien l'endroit où il se trouve, mais j'ai de l'argent à dépenser. Il est bien trop lâche pour te trahir. La carte te conduira aux journaux. Les magouilles ne sont pas tolérées par ici. Le lac de Poe est un endroit paisible. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Oh, génial! Tu te soignes maintenant? Tu pourrais pas simplement abandonner? Thank you.
Travail. Mais ça ne te servira à rien sans traduction. Rapporte ça à la guilde. Thank you.
Bienvenue. Apparemment, le journal n'a pas été trop dur à découvrir. Donne-le-moi, tu veux. Je vais te le traduire. Tu arrives à le lire? Mais tu es... Tu sais... Je vois d'autres mondes que celui-ci. Et tu vois dans les autres mondes? Je ne comprends pas. Westcliff, Lucien est en train de recruter des gardes de Westcliff. Oh, tu parles. Westcliff est une décharge bourrée de poivrons et de voleurs. Le seul intérêt, c'est son arène. La reine. Ceux qui en sortent vainqueurs sont forts, physiquement et faibles mentalement. Lucien les recrute pour en faire ses gardes. Tu dois entrer dans l'arène de Westcliff et réussir à en ressortir vainqueur. C'est le seul moyen d'entrer dans la flèche. La seule façon d'atteindre Garth et de le sauver. Enfin un peu d'action. Rendez-vous à la route des bandits à Brightwood. Le dernier arrivé est à Hobmouillé. Cette recherche sera inestimable. Allez. Alors, t'as trouvé du boulot? Une maison? Je suis là depuis des siècles. Allez, on y va. Les écrits de Lucien sont fascinants. Tu y trouveras plein de choses intéressantes quand tu auras le temps. En attendant, va vite à Westcliff. Et si t'essayais d'éviter ces coups, j'ai... Une arme ridicule. Laisse-moi te montrer comment ça marche. Faut pas que tu te laisses faire. Ça va aller.
La célèbre barricade. Ça n'a pas l'air possible. Allez, battez-vous un peu, espèce de lâche. Toujours là. C'est qui ?
as besoin de moi? Pourquoi tu ne pars pas? Et je reviendrai dans le corps pour me venger! Oh, c'était tellement dur! Je voulais te tuer rapidement. Mais pour te punir, je vais te faire souffrir. On va lui faire. Reste pas par terre, fainéant. Tu vas mourir. Bien envoyé. Faites gaffe, les gars. J'ai entendu beaucoup de choses sur Westcliff. Il paraît que cet endroit grouille de balvérines. J'ai entendu parler d'une attaque qui avait touché des marchands. Des balvérines ont tué les... Mais les enfants ont survécu. Un marchand d'esclaves les a trouvés, ramenés à son camp et mis dans une cage.
La nuit, les gosses sont échappés de la cage et ont réduit en purée tous les marchands d'esclaves du camp. Ça laisse songeur, pas vrai? J'ai passé toute ma vie à prier, et pourtant le monde reste toujours aussi dangereux. Mais grâce à nous, cette portion de vie est un peu... Où ils l'ont emmené. Je crois. Oh, mon pauvre Robert. Et s'il était déjà. Je suis sûre que notre Elisabeth va le trouver. Je suis sûre que votre fils va bien. On va le trouver.
Vous ferez en sorte qu'il ne lui arrive rien, papa. N'avancez pas trop loin. Restez avec nous. Je sais, mais vous ne l'aiderez pas en vous faisant dévorer, pas vrai? Qui sait ce qui nous attend par ici? On doit faire très attention. Quoi, cet endroit? Ça ne présage rien de bon, c'est certain. Ouais, les enfants, voici de la chair fraîche. Protégé de ses têtes.